Charles Bell est un peintre. Il dit qu'il pourrait tout peindre. Mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas peindre quelque chose qu'il voit, mais peindre le sentiment de ce qu'il voit. Quand je suis rentrée dans son atelier pour la première fois, j'ai vu qu'il aimait beaucoup les fleurs. Il les aime tellement qu'il les peint souvent en très grand. Il a dit que ce qu'il préférait, c'est peindre le sentiment de la nature. C'est très impressionnant de rentrer pour la première fois dans cet atelier. Je crois qu'il l'appelle l'atelier de rêve ou quelque chose comme ça. Il vit dedans avec Émilie. Parfois, quand il la regarde, il a les yeux qui sourient. C'est très grand, plein de couleurs séchées et de peintures cachées. J'ai compris qu'il n'aimait pas trop parler de sa peinture avec des mots, parce que les mots sont toujours maladroits pour parler d'art. En tout cas, si je devais trouver un mot pour le définir, ce serait le mot délicat. Parce qu'il le dit souvent. J'ai compris que c'était important pour lui la délicatesse. S'il doit critiquer un homme, il dira qu'il n'est pas délicat. Je suis venue avec François Royer. François est un réalisateur. C'est aussi un ami de longue date de Charles. Ils ont l'habitude de travailler ensemble. François aime beaucoup la peinture de Charles. Je crois qu'il comprend le sentiment de la nature lorsqu'il regarde ses tableaux. Il y a bien longtemps, François était charpentier. Mais l'art avait trop d'importance pour lui, et il a décidé que l'art serait sa vie. Pour lui, c'est l'art du cinéma. C'est pour ça qu'il a décidé de fabriquer un film sur la création. Je pense qu'il fait aussi un peu un film sur lui, parce que si je devais choisir un mot pour le définir, ce serait le mot « création ». Cette fois, il a demandé à Charles de faire un tableau sur de l'herbe et sur une toile de 3 mètres. François m'a demandé de faire un petit film sur leur travail. Vous êtes donc en train de regarder un film, sur un film, sur un peintre. En face de la toile, il y a un fauteuil où Charles observe sa peinture. C'est également à cet endroit que je vais me placer pour être à la juste distance. La juste distance, c'est lorsque l'on se place suffisamment loin pour comprendre ce que l'on voit. François a toujours peur de passer à côté de la création pendant qu'il filme Charles. Ce petit moment où des coups de pinceau réussissent à créer le sentiment de la nature. Donc François filme sans arrêt. François demande à Charles de peindre à certains endroits. Même s'il veut capter tout ce qui se passe, le cinéma a toujours besoin de mise en scène. Ce n'est pas de la triche. L'art du cinéma a ses propres codes, tout comme l'art de la peinture. La caméra de François est presque menaçante dans le dos de Charles. Elle suit tous ses mouvements.
et se permet même de filmer ses regards. Et même avec tous les artifices du cinéma, le regard de Charles nous échappe. Et je me demande ce qu'il voit réellement sur sa toile. Charles et François disent qu'une œuvre n'est pas arrachée au temps, mais qu'elle se construit dans un quotidien comme un autre. L'art de la peinture et l'art du cinéma tournent autour de la même chose, la lumière. Dans ses tableaux, Charles dit que la lumière vient de derrière. On ne pourra donc la voir que plus tard. Les couleurs de son tableau changent tout le temps en fonction de la lumière. Je me dis qu'une caméra ne peut pas bien rendre les vraies couleurs d'une œuvre, puisque je peux les transformer. François est un peu déçu que tout se passe bien. Il me dit que ce qui est intéressant, c'est lorsqu'un coup de pinceau change toute l'allure de la peinture et qu'il faut tout recomposer. Sur ce tableau, tout va de soi, et ce n'est pas bon pour l'art du cinéma. Ma place à la juste distance bouge et je sens que je peux me rapprocher d'eux. Plus les jours passent, plus le peintre et le cinéaste arrivent à composer ensemble. Ils s'anticipent, ils s'attendent, ils s'oublient. François ne regarde quasiment jamais le tableau, sauf à travers ses images. Je trouvais ça étrange de faire un film sur un tableau qu'il ne regarde pas vraiment. Mais à travers ses lunettes, j'ai commencé à voir les couleurs du tableau de Charles. J'ai compris que le peintre et le cinéaste avaient réussi à fusionner leurs arts. Et dans les images de François, à sa juste distance, il ne reste plus que le peintre seul avec sa toile. J'avais pas le droit de rire, mais je savais que ça allait être drôle. Ouais, je sais pas combien d'automnes j'aurai le droit d'apprécier ce spectacle-là des Ginkgo, mais à chaque fois c'est un événement quand même.